Anna Woman, c'est ça que moi je voulais dire. C'est comment tu as fait aujourd'hui? C'est gratuit, effectivement. C'est effectivement. Non. Bonjour. Ah, coquille. Alors, la tienne, bon, là, là. Oui. Et t'es dit. Bisous, maman. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens parler à une catégorie de filles qui sont toujours scotchées sur les pages des soi-disant coachs. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Les gens comme vous qui ont encore la chance d'avoir les mamans, toi, tu laisses les conseils d'une femme qui a fait 30 ans de mariage dans la pauvreté. Parce que nos mamans, là, tu laisses les conseils d'une femme qui a fait 30 ans de mariage dans la pauvreté, qui a supporté son mari en toute épreuve. Elle a été fidèle à son mari, elle a supporté son mari, elle vous a élevé dans la pauvreté, mais elle est restée digne de surcroît. Elle, malgré la pauvreté de nos mamans, elles sont restées dignes. C'est-à-dire que nos mamans, c'est des héroïnes. Elles étaient là dans les foyers où elles n'avaient pas de ration. Elles devaient se battre pour donner à manger à leurs enfants. Mais pourtant, elles sont restées dignes. Elle t'a élevée. Aujourd'hui, elle te donne des conseils. Tu ne prends pas en considération. Tu n'écoutes pas les conseils qu'une sage femme comme celle-là va te donner. Tu vas te scotcher. Tu vas passer tes journées sur le mur d'une soi-disant coach. Une soi-disant te coach parce qui te fait croire qu'elle a réussi, qui te fait croire qu'elle a réussi, oui, parce qu'elle va ramasser des photos, elle va ramasser des photos sur Internet, elle vient, elle travaille la photo, elle met, elle va. Elle vient vous mentir. Attendez un instant. Attends. Maman avance, c'est pas grave. Merci. Non, 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 je vais juste poser comme ça. Et bon, on va. Ils vont te faire. Maman, on peut être classe comme ça. Kikikili. Et ça, ce n'est pas les photos. Ça, c'est moi en vrai. Ça, ce n'est pas les photos que. Je ne veux pas aller prendre les photos d'une femme classe et montrer son derrière. Regardez l'élégance. L'élégance à la française. Hein, maman, on peut être un homme. Regardez quand on dit qu'une femme est classe. On peut être classe comme ça. Tout ça, nous, on n'a même pas venu. Depuis quand vous m'avez vu combien de fois poster les photos sur Facebook. Pourtant que je suis une femme très élégante. Hein? Tu laisses sans écouter ta mère pour venir écouter une fille qui vient te faire, qui vient vous faire croire une quelconque réussite en allant ramasser les photos. En allant ramasser les photos sur Internet, tu craches sur les conseils de ta mère. Hein? Comment vous faites ça? Les filles, quand on vous dit que les filles là sont malades sur les réseaux sociaux, la belle Bijou là ou c'est belle Johnson là, ma soeur, ça elle a besoin d'une prière. Parce que au point, elle a besoin d'une prière de délivrance. Comment tu peux mentir que tu es hospitalisée? Aller prendre les photos de quelqu'un à l'hôpital, venir faire croire que tu es hospitalisé. Oh, quelle imagination! Aller prendre une voiture, vous voyez les filles là, mais si la force qu'elles mettent
pour essayer de faire croire aux gens qu'elles sont riches, si elles pouvaient mettre cette énergie pour travailler leur projet, mais elles seront vraiment riches. Parce qu'elle va prendre une voiture, elle va louer une voiture, elle vient, elle vous fait croire qu'elle a acheté une voiture, et puis elle va chercher la voiture accidentée, elle vient mettre, parce qu'elle sait que demain vous n'allez pas lui voir avec la voiture, et qu'on va demander que la voiture elle est où, elle vous dévance, elle vient faire croire que la voiture a été accidentée. Anna Woman, comment vous faites? Comment vous faites? Quand je vois des conneries, des chiennes qui vont regarder ça, qui vont venir nous insulter, nous qui vivons notre vraie vie, nous qui sommes dans la réalité. Quand je pense que cette fille a traité la voiture de Aïcha, ouais, ouais, la maison de la petite Aïcha Camoise de Cabane, je me dis, mais c'est le monde à l'envers. Quand je pense qu'elle a traité la petite maison, c'est-à-dire que la maison de la petite Aïcha de Cabane, où elle avait traité de quoi? Mais j'ai dit, c'est le monde à l'envers. Aïcha est dans la réalité. Elle ne vend pas le rêve. Elle vit sa vraie vie. Elle gravit les échelons devant tout le monde. Qui ne saurait dire que Aïcha, c'est une fille battante? Maman, on traverse par là. Qui ne dirait pas ça? Aïcha fait petit à petit, petit à petit, à petit à petit. Elle a pris sa maison. Vous avez trouvé, d'autres en ont traité sa maison de tombe, de tombeau. Mais elle est en train de retaper la maison là demain. Demain, quand Aïcha fera estimer la valeur de sa maison, vous n'en reviendrez pas. Hein? C'est quoi ça? Nous, on est dans notre vraie vie de tombeau Alvin Kwete. Tu traites la maison. Elle a fait croire que, voilà, j'ai mis les papiers. Le poste d'en bas, mon poste que j'ai fait en dessous, il y a tous ces mensonges, je l'ai déconstruit, y compris les papiers même de sa maison. Elle a acheté le terrain à 70 000 dollars. Elle a fait un prêt de 310 000 dollars. Ce qui met sa maison à un prix de 380 000 dollars. Elle vient regarder les gens dans les yeux sur Facebook. Elle vient vous regarder comme ça. Et elle vous dit, vous savez, écoutez, moi j'ai acheté ma maison à 1 million de dollars cash. 1 million de dollars. Elle vient vous faire croire qu'elle a acheté la maison à 1 million de dollars cash. Bah. Et il y a des gens qui croient. Et il y a des gens qui croient à ça. Il y a des filles qui sont en train de rêver. Elles prient. Elles demandent la bénédiction de Belle Bijou. J'espère que vous n'allez pas revenir sur vos prières. J'espère que vous allez continuer à demander la même prière que Belle Bijou à Dieu. Tu es là, tu as ta petite vie. Tu as tes petites économies. Parce que quelqu'un vient vendre le rêve. Tu crois que la personne vaut mieux que toi? Hein? Tu crois que la personne vaut mieux que toi? Tu es en train de demander, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi comme Abio. Bénis-moi comme Emma Loès. Bénis-moi comme Belle Bijou. J'ai entendu Belle Bijou dire qu'elle a vendu 200 000 dollars en une soirée. J'ai entendu Belle Bijou dire qu'elle a vendu 200 000 dollars. Ça veut dire que tous les Africaines ont commandé sur son site ce jour-là. Parce que pour faire une recette de 200 000 dollars par jour, il faudrait que l'Afrique entière commande. Il faudrait que l'Afrique entière commande sur son site. Vous voyez des mensonges comme ça. Des mensonges de ce genre. Elle fait ça, elle organise des conférences pour vous vendre que du mensonge. Fake life. Fake life. Et c'est vous, ces adeptes, vous allez aller vous verser sur les pages des femmes comme nous qui vivons la vraie vie, qui montrons notre vraie réalité. Vous allez venir nous insulter.
Vous viendrez nous insulter. Pourtant que nous sommes dans la réalité. Je suis chic comme je suis. Là. Je vais aller enlever tout ça. Je vais entrer au four pour briser mon poulet. Oui, 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 oui. Je vais aller m'asseoir et je vais briser mon poulet. Ce matin-ci. Je vais vous montrer que je suis en train de briser mon poulet. Moi, je suis dans un magnifique quartier. J'aurais pu aller me snapper comme ça. Je vous dis, oh, attends, il y a même celle-ci n'est même pas belle. Voilà, voilà une belle voiture. Je m'en vais, je me snap dessus. Regardez, elle fait ce que les belles bijoux font. Bon, là, je suis devant un resto sécu. Je fais, oh, vraiment, oh, vraiment. Vraiment, je viens de sortir. Vraiment. Oh mon chéri, merci. Là, je suis sur le point de rentrer là-bas pour aller. Je vais partir déjeuner, il est midi. Oh merci, je vais rentrer là-bas pour aller déjeuner. Oh merci à mon chéri. Merci vraiment mon chéri pour le déjeuner de ce midi. Oui. Je me mets. Je fais, oui. Je viens de sortir, franchement. Oh merci mon chéri. La voiture de quelqu'un pour commencer à faire bio, 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 bio ici. Merci mon chéri, vraiment. Vous avez vu? Là, mon cadeau. Vraiment, ça c'est mon cadeau. Le cadeau que mon chéri m'a offert pour aujourd'hui, vraiment. Vous voyez? Mon cadeau, cadeau de mon chéri. Le propriétaire de la voiture peut être à côté et dit que mais la femme, c'est à quel problème? J'ai fini de snapper à côté de cette voiture-là. Hein? Vous voyez? Vous laissez, au lieu d'écouter les conseils de vos mamans. Ça dit que des femmes qui ont bravé toutes les épreuves, vous partez écouter les conseils des menteuses. Vous payez, c'est ça qui me tue. C'est que toutes ces menteuses-là se font passer pour des coachs. Vous coachez quoi? Vous coachez quoi? Toutes ces menteuses-là. J'ai dit que toutes ces menteuses-là, elles se font passer pour des coachs. Vous allez coacher quoi? Vous apprenez ces jeunes filles à faire quoi? À mentir? Vous les apprenez à faire quoi? Liar! Vous les apprenez à mentir? Vous coachez quoi? Détruire. Et puis elles font tout ça. Pourquoi tu n'es pas coach aux États-Unis où tu vis? Bonjour. Vous coiffez les cheveux crépus? Enfant pour des garçons? Les petits dégradés sur le côté, vous le faites? Ok, merci. Hein? Oui, ok. Moi, ce qui m'énerve, c'est que de la même façon que les Européens vont déverser leur merde en Afrique, c'est de cette manière aussi que les Africains eux-mêmes vont déverser leur merde en Afrique. Parce que, ok, si tu as fait ton école de coaching, les Américains là-bas, ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux, ils ont plus besoin de coachs qu'en Afrique. Parce que dans notre culture, les bêtises de coaching là, ça ne rentre pas dans notre culture. Parce que nos parents, nos mamans sont les meilleurs coachs de tous les temps. Hein? Nos mamans, c'est les meilleurs coachs de tous les temps. Quand tu laisses ta mère qui t'a élevé, qui n'avait pas de salaire. Elles étaient au moins trois à ton père. Elle n'a jamais connu de pension. Elle n'a jamais connu de ration. Mais elle est restée digne. Elle t'a élevée. Elle s'est battue. Elles ont fait des petits commerces. Parfois pour vous envoyer même en Europe. La pauvre femme a souffert pour t'envoyer en Europe. Tous les jours, elle est avec toi au téléphone pour vous-même qui avez encore la chance d'avoir vos parents. Pour vous autres qui avez encore la chance d'avoir vos mamans. Moi, je donnerais tout au monde pour avoir ma mère. Juste une image d'elle comme ça. Je donnerais tout pour avoir. Vous avez votre maman. La maman va vous donner les conseils. Vous n'écoutez pas. Vous allez sur les réseaux sociaux pour aller écouter des menteuses légendaires. Moi, viens, c'est par là. Pour aller écouter des menteuses. Allez-y.
Vous allez laisser les conseils de votre mère pour aller écouter les menteuses qui viennent vous faire croire qu'elles ont réussi la vie. Elles viennent vous mélanger avec votre Dieu. Tous les jours, vous êtes à genoux dans votre chambre, dans vos chambres. Oh Seigneur, donne-moi la vie de ma bio. Oh, bénis-moi comme tu as béni ma bio. Bénis-moi comme tu as béni Belle Bijou. Pourtant qu'elle n'a aucune bénédiction. Pourtant qu'elle, ta vie que tu as. Moi, je sais que ma vie est mieux que beaucoup de filles. Mm-hmm. Moi, ma vie est mieux. J'ai une belle vie. Je ne changerai ma vie pour rien. Je ne changerai ma vie avec la vie de personne. Parce que le sommeil que tu te couches et tu dors là, ça n'a pas de prix. Bonjour, oui. Se coucher et dormir paisiblement là, ça n'a pas de prix en français. Oui, oui. Ça n'a pas de prix. Regardez l'imagination. Mais il faut être forte pour réussir à suivre cette train de vie-là. Il faut être forte. Hé, maman, jusqu'à tu vas prendre la photo de quelqu'un qui est perfusé, maman, tu viens poster sur les réseaux que tu es malade. Merde, vous n'avez plus peur, hein? Vous n'avez plus peur. On dit souvent chez nous que tu dessines le diable au mur, il finira par rentrer chez toi. Vraiment, vous n'avez plus peur. Vous, là, sur les réseaux sociaux, je vous donne... Quelqu'un va dire qu'elle a fait l'accident. Ma soeur, si tu finis de dire ça, tu vas faire l'accident. Tu vas dire que c'était les likes de quoi? Tu vas dire que c'était les likes de quoi? Ha! Mais oui, ya. Et vous donne les mains, maman. Quand je vois que, heureusement qu'une fille comme moi, j'ai tellement fait la vie dans ma vie. J'ai fait la vie. Que ce n'est pas une petite menteuse comme ça qui va venir me perturber. Les filles qui rêvent là, je vous salue. Voilà vos coachs là, ma soeur. Les donneuses de conférences partout en Afrique. Quand elles font leur merde, elles prennent pour aller déverser en Afrique. Les donneuses de conférences en Afrique. Les voilà, les Mavista Print. Oui. Maman a Vista Print. Aïe, 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 aïe. Bon. Je vais vous laisser, pardon. Je suis avec ma soeur, maman, la chicance de ça. Vous-même, regardez. Confirmé. Ah, ouais. Une femme chic, élégante. Ouais, ah, il y a un monsieur qui m'a suivi. Il m'a dit, madame, vous êtes très élégante. Ah oui, oui, oui. Mon papa prend les photos des Vista Print. Nous, c'est nous-mêmes qui est là, là. En vrai. On n'est pas dans les choses qu'on prouve. Hein? On n'est pas dans les choses qu'on prouve. Ma petite robe est sur moi ici, là. Tout ce qu'il y a sur moi, là. Tout ce qui coûte cher sur moi, c'est ça. Ma petite robe ici, c'est ma robe Zara qui m'a même été offerte. Ma robe Zara qui m'a été offerte par ma soeur. Ma soeur que vous connaissez tous, ce qui est dans le septième, là. C'est elle qui m'a offert ça. J'avais ça avec ma belle petite botte-ci. La botte-ci. Elle a déjà traversé tellement d'étapes dans sa vie. Mais quand on dit que quand tu achètes le bon, c'est bon. Tu mets pour longtemps. Quand je suis partie chercher les photos, je devais partir chercher sur Vista Print. Femme fine, habillée en noir. Je prends, je coupe la tête, je vous mets. Je fais mes mains à côté comme ça. Ha! Le travail de ça. Ouh, je vous salue. Bisous. Quand je vais couper ça, maman, il m'a... Voilà mon repassage qui m'a tenu, même pas fait le ménage. Je suis sortie depuis le matin. Ah, ouais.